Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed. Aujourd'hui, on va devoir faire une mission d'assassinat. Ici, la cible est là, donc on va aller directement assassiner Tamir. Allez, c'est parti. Maudit voleur ! Maudit voleur ! Hier. D'accord, a priori on a été repéré. Alors là pour l'instant il nous cherche. Ok. C'est bon. Les chiffres n'y changent rien. Tes hommes n'ont pas honoré la commande. Et moi, je n'ai pas satisfait mon client. Et il me faut plus de temps. C'est une excuse digne d'un paresseux ou d'un incompétent. Lequel es-tu? Aucun des deux. Ce n'est pas mon impression. Alors, dis-moi, comment envisages-tu de régler ce problème exactement? Il nous faut ces armes maintenant. Je n'ai aucune solution. Les hommes travaillent déjà jour et nuit. Et votre acheteur a vu très grand, sans parler des difficultés d'acheminement. Si seulement tu étais aussi doué pour produire des armes que pour trouver des excuses. J'ai fait tout mon possible. Cela ne suffit pas. Alors peut-être en demandez-vous trop. Trop? Alors que tu me dois tout. Sans moi, tu en serais encore à charmer des serpents pour quelques pièces. La seule chose que je te demande en retour, c'est d'honorer les commandes. Et tu dis que j'en demande trop. Pff. Tu daignes me manquer de respect. Du calme, Tamir. C'est un malentendu. Plus un mot ne sortira de ta bouche. Non, arrêtez. Arrêtez. Je viens juste de commencer. Arrêtez. Tu es venu dans mon souk. Tu as dérangé mes hommes. Et tu as osé m'insulter. Non. Laisse le corps. Que cela vous serve de leçon. Réfléchissez bien avant de me dire que quelque chose est impossible. Maintenant, au travail. Alors, point de contrôle atteint, je suppose qu'il va falloir que je le suive maintenant. Il faut que je trouve de quoi manger. Absolument pitoyable. Vous devez avoir pris ton métier. Je vous en prie. Je suis malade et je crève de faim. Je vais te tuer. Ici même. Merci. Ça ne compte pas. Allez, plus.
Voilà. Va en paix. Tu vas payer pour cela. Toi et tous tes semblables. C'est toi qui vas payer, semble-t-il, mon ami. Tu ne tireras plus parti de la souffrance des autres. Tu me prends pour un petit marchand de mort qui profite de la guerre pour s'enrichir. Pourquoi faire de moi ta cible? Je ne suis pas le seul à exercer ce métier. Te croirais-tu différent des autres? Je suis différent, car j'ai mis mes compétences au service d'une cause noble. Tout comme mes frères. Tes frères? Ah, ils pensent que j'agis seul. Non, je ne suis qu'un maillon. Je remplis mon rôle, comme les autres. Tu les rencontreras bien assez tôt. Ils risquent de ne pas apprécier ce que tu as fait. Bien. J'ai hâte de les mettre eux aussi hors d'état de nuire. Quelle arrogance. Elle te détruira, mon garçon. J'ai eu vent de ta victoire, Altaïr. Ma gratitude et mon respect te sont acquis. Merci. C'est une honte c'est bon que les autres Hachichiyun continuent d'avoir aussi peu d'estime pour toi. Rafik, ce que les autres pensent de moi m'importe peu. Si tu le dis, tu devrais aller informer Al-Mualim de ta victoire. Il aura sans doute d'autres tâches à te confier. Avance rapide vers une séquence plus récente. Allez, l'assassinat est terminé, la cible a été éliminée, on doit retourner auprès d'Al-Mualim. On a un chargement. Ah, et on ressort de la sortez de la machine, monsieur Miles. Il y a un problème? Mademoiselle Stillman insiste pour que je vous laisse vous reposer. D'accord, bon, on va attendre qu'ils soient sortis pour aller parler à Mademoiselle Stillman. Hey, tu veux bien me dire ce qui le rend aussi nerveux? L'échéance approche. Une semaine. 6 jours, maintenant. Quelle échéance? Je ne peux rien dire de plus. Ben voyons. Un groupe de soi-disant scientifiques me retient en otage et m'oblige à passer toute la journée dans cette foutue machine. Sans me dire pourquoi. Et je devrais pas me poser de questions?
Non mais tu veux pas non plus que je te dise merci parce que je suis toujours en vie? Faut quand même pas pousser! Mets-toi à ma place! Que veux-tu que je te dise? Je sais pas. Tu pourrais commencer par me donner des réponses? Impossible. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux comme ça. Mieux pour qui? Pour tous les deux. Alors, Lucie... Ah, on peut lire ses messages. J'ai retrouvé les trucs les... Steve, c'est son parking, une nouvelle fois. Le rapport qui est interviewé aux employés d'Abstergo Industries de parler de la stratégie de l'entreprise. Ok. Rien, retourner travailler, on est dans les délais. Vous parliez de finir comme Lila tout à l'heure, que vouliez-vous dire? Rien. PS, pourquoi signer vos messages? Le nom de l'expéditeur apparaît tout en haut. Alors je suppose que ça veut dire qu'il faut que j'aille me reposer. Allez, le matin suivant. Allons-y, monsieur Miles. Le temps presse. Et on va retourner dans l'Animus. Où est Lucie? Oh, ne vous inquiétez pas, elle sera bientôt là. Dites, pourquoi vous faites tout ça? Qu'est-ce que vous espérez au final? Vous regardez la télévision? Vous lisez les journaux? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors j'irai à l'essentiel. Le monde est un beau gâchis. C'en est pathétique. Vous en avez fait vous-même l'expérience. 1000 ans se sont écoulés depuis la mort de votre ancêtre. Et pourtant, notre société est toujours aussi barbare, toujours aussi stupide. Et où voulez-vous en venir? On peut y mettre de l'ordre, monsieur Miles. C'est à cela que nous travaillons. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Vous essayez de me faire croire que vous nous préparez des lendemains meilleurs? Oui, et c'est exactement ce que nous faisons. L'humanité est en quête de sens. Les hommes veulent savoir ce qu'ils font en ce bas monde. Eh bien, nous allons leur fournir une réponse. Quand chacun aura trouvé un sens à son existence, tout ira beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Tous les conflits cesseront? N'est-ce pas à cela qu'aspiraient les assassins? La paix en toute chose? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un assassin. D'accord, d'accord. Je ne vois toujours pas ce que je viens faire là-dedans. Vous le saurez bien assez tôt, monsieur Miles. Bien assez tôt. Ou peut-être pas. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous le trouviez. Que je trouve quoi? Avec plaisir. Alors, malheureusement, la phrase de Lucie a été coupée, donc on n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Mais je suppose que ça veut dire « retour dans l'Animus ». On repart pour la séquence suivante. Si vous n'avez plus de couteau de lancer, retournez à Massiaf ou dérobez ceux des bandits. Tu t'es bien comporté, Altaïr. Je suis sûr que c'est le premier succès d'une très longue série. Tamir semblait bien vous connaître. Selon lui, la portée de mes actes me dépasse. La portée d'un acte seul est difficile à saisir. Il faut le voir dans son contexte global. Alors, on peut en comprendre les conséquences. Il y aurait donc des choses que j'ignore. Altaïr, c'est parce que tu en savais trop que tu as échoué autrefois. Si je te cache certaines informations, c'est afin de m'assurer que tu ne commettras pas la même erreur. Je vois. Non, tu ne vois pas. Et tant que tu n'auras pas retenu la leçon, il en sera ainsi. Pourtant, tu as fait preuve d'un certain talent. Tu as mérité de gravir un échelon et de récupérer une partie de ton équipement. Maintenant... rejoins Hack ou Jérusalem.
Il y a dans ces deux villes des hommes qui réclament ton attention. Les chefs de cellule t'expliqueront ce qu'ils attendent de toi. Alors, on a récupéré la lame courte et la riposte mortelle. Donc, je suppose que maintenant je peux faire des ripostes comme j'avais l'habitude de faire dans les précédents assassins. Altaïr ! Enfin, dans les précédents. Semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Contre-attaquer. Ah, ça c'est cool. Quelle maîtrise! Regardez, voilà comment nous devrions voilà tous ça. Combattre. Bien. Je comprends. Tu es très occupé. Ok, l'entraînement combat c'est fait. Il va falloir reprendre un le cheval maintenant. Et on va avoir deux villes à visiter. Jérusalem, et j'ai plus pas retenu le nom de la deuxième. On va commencer peut-être par Jérusalem, on va voir. On va devoir faire un tour à cheval encore. Je crois que j'ai récupéré en plus aussi une barre de vie. Du coup. Il va finir par blesser quelqu'un. Il a quelque chose d'urgent à faire. Alors, il a besoin. Je demande ce qu'il prépare. Où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça ? On va prendre un cheval. Et on va quitter Massif pour atteindre une destination suivante. De précipitation. Quand vous avancez lentement, vous avez plus de chances de passer là. Alors, voyons voir la carte. Donc, c'est Acre ou Jérusalem. Alors, on a un petit bout de chemin à parcourir. On va faire Acre, c'est un peu plus près. Allez. Pour eux, du coup, ils n'ont pas le temps de me repérer. Essayez de faire attention. Allez, on a 1 km à parcourir. Ah,
J'aimerais bien avoir des panneaux un petit peu pour me guider. Par exemple, a priori, ça n'a pas l'air d'être par là. Pardon. Peut-être par ici. Oh. Ah, j'ai un panneau ici. Ok, Acre, c'est de ce côté-ci. Cette mouche, j'espère qu'elle s'entend pas trop au micro, mais j'ai une mouche qui me tourne autour. Alors, oula, faut que je passe dans un camp. Allez, on va passer. Acre à droite. Donc comme je vous l'ai dit, je m'occupe vraiment de la quête principale sur celui-là. Je ne vais pas m'attarder trop, ce qui m'intéresse c'est juste de connaître l'histoire pour pouvoir, pour les autres, les assassins suivants. D'avoir eu toute l'histoire d'Altaïr. Et de Desmond surtout. Allez, direction Acre. On peut rejoindre une nouvelle ville. Quand l'animus vous indique qu'un garde informé vous observe, dissimulez-vous. Le moindre écart de conduite risquerait d'attirer son attention. Ok, il va falloir que je commence par le point d'observation, comme d'habitude, pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. Fais attention, le moine. Ça, méfie-toi. Wow. Et nous voici à Acre. Alors je sais pas si je peux rentrer comme ça. N'essaie pas de fuir, vieillard. T'iras pas loin. Fils de camp. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, on laisse pas passer. Tu peux prier. Que se passe-t-il? Place. Tu veux te taire? Personne viendra à ton aide. Ah, ou alors il va falloir que j'aide à nouveau quelqu'un qui peut être un peu... derrière pour pouvoir rentrer. Tu peux crier, ça changera rien. Aidez-moi, je vous en prie, j'ai besoin d'aide. N'essaie pas de fuir, vieillard, t'iras pas loin. Va-t'en, mendiant, fini de te plaindre. Garde pour la gloire. Dure et dure, c'est comme que l'on fait. Je suis revenu ton âme. Je vais faire saigner. Je suis l'épée du Seigneur. Ok. Hop. Allez, encore ces quatre là. Oh.
Hérétique, ça va te coûter cher. Hop là. Voilà. Merci, mon garçon. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Cette mauvaise augure. Alors, citoyen secouru, du coup, on va pouvoir rentrer grâce... Grâce aux meurtriers Zéroïdes. Dans les parages. Alors, on va aller laisser nous rentrer dans la ville. Où es-tu, misérable? Montre-toi, je sais que t'es là. Très bien. Alors, où es-tu? Et on va pouvoir ensuite aller jusqu'au point d'observation pour découvrir un petit peu la ville. Dès qu'on va avoir passé les deux gardes, enfin le groupe de gardes à ce niveau-là. Alors, le point, là-haut, là. Ok, c'est bon, je suis Belize. Pitié, ne que me fais cet pas imbécile. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Tu auras comment pousse-le. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous comportez-vous là-bas? Ah, un archer. Hir. Alors, allez, là, la tour. Il n'a pas le droit d'être ici. Attends. Ok. On va commencer par aller au bureau. Ici. Ah, pourquoi ça plante les sauts de la foi? Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Imbécile! Mais où est-ce qu'il va? Non, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît, juste quelques pièces! Arrêtez, qu'est-ce qu'il a? Vous me faites mal! Je vous en prie, juste quelques pièces! Je vais t'apprendre! Qu'est-ce qu'il a, quoi, comme ça? Ouais, 90 mètres. Il va blesser quelqu'un! Ces enfantillages, ce n'est plus de son âge! Ça sous mes yeux! Tu vas le payer cher. Aidez-moi, je vous en prie. Il a perdu la tête, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? On va passer par les toits. Sale voleur, pour quelle raison est-ce qu'il a fait ça? Ah, puis il est là. Ah, Altaïr. Je me doutais bien que tu finirais par venir me voir. Al-Mualim a ordonné l'exécution de Garnier de Naplouse. Alors me voilà. Que peux-tu me dire à son sujet? Il est le grand maître des chevaliers hospitaliers. Et il a dû s'établir dans leur quartier. Je n'en sais pas beaucoup plus sur lui. Va te promener dans la cité et essaie d'interroger les habitants. Dis-moi où les membres se retrouvent et je me débrouillerai. Commence par les jardins publics, ou du moins ce qu'il en reste. Ils sont situés au nord. Le marché abandonné au nord-ouest mérite également ton attention.
sans oublier l'église Marie-Joseph, à l'ouest, qui elle aussi est très fréquentée. Ces trois lieux devraient suffire à te mettre sur la voie, mon ami. Merci pour ces informations, Rafik. J'en ferai bon usage. Ça, je n'en doute pas. Ok, et puis bah nous du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui, la prochaine fois on ira faire les missions nécessaires pour pouvoir effectuer l'assassinat suivant. J'espère que cet épisode d'Assassin's Creed vous aura plu, on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, je vous dis à la prochaine.